La question qui pique. Où mon énergie est-elle requise aujourd'hui pour créer plus grand? Jetez vos to-do list et posez cette question plus tôt. Parce qu'en fait, les to-do list, etc., tout ce qu'on pense qu'on doit faire le matin en se levant et tous les trucs qu'on a prévus dans la journée, souvent ce sont des choses qu'on prévoit avec le mental, qu'on définit, qui sont bonnes ou pas bonnes à faire, qui sont requises, on peut pas faire autrement. Le truc, c'est que souvent, c'est limitant et parfois, c'est même contre-productif parce que ce sont des choses qui ne suivent pas forcément l'énergie dans laquelle on est ou l'énergie du moment. Et donc, quand on pose cette question, ça revient en fait à demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle action on peut poser qui soit plus contributive, qui requiert notre attention pour changer vraiment les choses et pour faire de notre journée quelque chose de plus intéressant, vibrant, grand, riche, tout ce que vous voulez. Et en fait, on n'est pas obligé de le percevoir vraiment une réponse ou de se dire « alors bah, du coup, je vais faire ça ». C'est juste plutôt de poser cette question et de faire confiance que eh bien, on aura les inspirations, les intuitions et qu'on fera ce qui sera au bon moment en fait. Ça marche très bien pour les entrepreneurs par exemple, pour savoir quand on organise ses tâches, mais même dans la vie de tous les jours. En fait, ça peut revêtir plein de formes différentes. On peut être plus conscient sur la route et faire gaffe à ce radar qui, si on n'avait pas posé la question, aurait pu nous flasher. Ça peut être plus conscient qu'on a besoin d'aller marcher aujourd'hui et se l'autoriser. Ça peut être de faire cette sieste qu'on ne s'autorise pas, ou alors ça peut être enfin aujourd'hui de mettre en place ce projet ou de faire ce truc qu'on repousse depuis des lustres parce que notre mental n'avait pas envie de le faire, quoi. Donc ça peut être vraiment plein de choses, ça peut prendre différentes formes, mais c'est intéressant de poser cette question parce que ça crée de la légèreté et j'allais même dire du résultat. Même s'il ne faut pas attendre des résultats, il faut être disposé à ce que ça vienne. Quand ça vient, c'est ça la magie. Donc voilà, l'idée c'est de placer son attention sur ce qui est contributif pour soi et qui créera plus en fait, tout simplement. Sans réfléchir ou savoir ce que c'est, que ce soit bien, pas bien, ou raisonnable, déraisonnable. Si ça vous fait remonter des trucs, vous détruisez et vous décréez tout ça, tout simplement, vous choisissez autre chose. Donc je répète, où mon énergie est-elle requise aujourd'hui pour créer plus grand? Bonne journée.